Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, donc je fais une petite vidéo pour vous expliquer comment percer un couvercle de WC, hein, du réservoir d'eau en céramique. Voilà. Hein. Il s'agit d'un vieux WC avec une tirette, hein, au-dessus, et donc je dois changer le mécanisme de chasse d'eau. Donc, mais l'inconvénient, c'est que mon loquet, hein, à double flux de chasse d'eau, ne rentre pas dans mon trou. Donc je vais être obligé de repercer pour l'adapter. Pourtant c'est un modèle spécialement étudié pour les anciennes chasses d'eau, mais bon, mon trou est encore pas assez grand. Donc je vais essayer par tous les moyens possibles de percer la céramique, agrandir le trou sans casser mon couvercle. Donc pour ça, je vais utiliser un bidon, une petite bombe aérosol de fluide de coupe chimique en aérosol. Hein, voilà. Donc c'est pour permettre à mon forêt de glisser davantage pour éviter d'accrocher trop et de casser. Parce que là, il va falloir percer délicatement pour éviter de casser le couvercle. Donc je vais également utiliser, bien sûr, ma perceuse avec un forêt béton. Là, dans mon cas, mon trou est à 6 mm de diamètre. Et donc, je dois l'agrandir. J'ai calculé, je dois l'agrandir à 14 mm en gros pour que ça rentre. Donc, je vais utiliser un forêt béton de 14 cm. Un forêt béton de 14, quoi. Voilà. Donc je vais vous faire voir, je vais essayer tout comme vous de vous démontrer comment on fait. En espérant de ne pas casser mon couvercle. Hein. Donc je vais déjà mettre un peu de fluide. Et tout au long du perçage, j'essaierai d'en mettre un petit peu. Je vais y aller délicatement. J'ajoute toujours de temps en temps pour éviter de l'accrocher. Vous voyez, c'est très très dur à percer. Il faut y aller doucement.
perce tout doucement. J'ai fait mon avant-trou, donc je vais reprendre un fourret un peu plus petit. Pour bien que ça morde. Donc maintenant je vais reprendre mon fourret de 14. Voilà. Un petit peu de produit. Voilà, le tout c'est d'éviter de le casser. Vous voyez, il ne manque pas grand chose. Il faut que ça rentre. Thank you.
dans l'autre sens. Du coup, il faut y aller doucement là. Pas hésiter à... Encore un peu. Voilà, quand ça fait ça, faut faire attention. Je vais reprendre mon 12 pour essayer de limer un peu le...
que là comme ça accroche,